and your lover. Le beat tantôt tout ça qui concert il y a stade de martyr l'idée allait que tout ce qui sera fait toi na Kinte quoi donc allait toi attaquer tout de suite la ville la plus proche et Brazzaville et puis après je crois que tout Kendepe Bambo comme ce soit et tout l'idée dans la peine allait qu'on partager c'est vrai que Batibele va vous t'acquitter Brazzaville Bayaki de l'autre côté. Et je m'étais dit, bon, il était important quand même, tout y a à Brazzaville, tout ça la paix, à peu près la même chose, Brazzaville, oui, ça l'a bien. Donc je suis très très content. Et l'Enginango, ce qu'il y a pas concert, à un moment donné, je pense que, et on a autour le bas tout à l'heure, sans prétention, qu'il y a un ananas banzim de bébé, un ananas tube. C'est-à-dire que, n'a pas qu'on se permettre, à un moment donné, tout ça en mode freestyle, quoi. C'est-à-dire que, n'a tout ni bas public. Je peux être à l'aise, on change de bêtise. C'est parti à spectacle. Parce que les bisous congolais, encore une fois, les bébés sont dans le spectacle. Ils ont un spectacle. Voilà, tu as un spectacle. Si tu as un spectacle, spectacle est ici. Moi, c'est remercier les partenaires qui nous accompagnent dans ce projet. Sans eux, on n'aurait pas réalisé. Je commence à dire merci à la société de téléphonie Airtel qui nous accompagne et surtout. Merci au public qui a porté cet événement, qui sera présent samedi au stade Massambadéba. Accompagner Fally Ipupa pour ce grand événement qui va se dérouler au stade Massambadéba ce 27 mai de Brazzaville est un grand événement auquel Airtel se devait de participer. D'autant plus que, comme vous le savez, nous avons une nouvelle signature au-delà de l'imagination. Et pour nous, Fally Ipupa est un artiste qui incarne pleinement tout cet imaginaire qu'il y a et qui va découler de cette signature où on doit se transcender et justement aller au-delà des idées reçues, préconçues. Et donc justement dépasser son imagination. Donc Fally Ipupa a su le faire au travers de son œuvre. Donc se dépasser, se surpasser pour aujourd'hui être un artiste internationalement connu. Donc on voulait absolument faire vivre ce rêve à nos abonnés en leur offrant des paiements à prix réduit avec Airtel Money, puisque pour des tarifs standards de 2000 francs, en payant avec Airtel Money, le billet est à 1500 francs. Pour les tarifs VIP qui sont à 50 000, grâce à Airtel Money, vous n'allez payer que 45 000 francs. Donc tous les billets sont disponibles dans l'ensemble des agences Airtel de Brazzaville. Et également, nous avons des points de vente au niveau du stade Massambadéba. Donc vous avez pu le voir au travers de la conférence de presse. L'artiste est là, donc dépêchez-vous. Nous vous attendons pour vivre pleinement avec nous, au-delà de l'imagination, cette belle épopée, cette belle page que Fally Ipupa va écrire au stade Massambadéba ce 27 mai à Brazzaville. Ben, l'organisation se passe très bien. Comme toute organisation, on est en train de prendre les dispositions aussi bien administratives que logistiques pour permettre que cet événement se passe dans les meilleures conditions. C'est le site où l'artiste est en maquis. Il a voulu prendre un peu de recul par rapport à la ville de Brazzaville pour se concentrer, préparer son spectacle qu'il va présenter à son public le 27 mai. Et quoi de mieux qu'un site qui te donne de la quiétude dans un environnement paisible avec le majestueux fleuve Congo ici. Donc, son choix a été porté sur le site touristique de Ngabé, à 180 km de Brazzaville. Et voilà. Donc, nous avons choisi ce site pour faire la conférence de presse avec l'artiste lui-même. Alors, ben, nous disons merci
comme on dit dans la sagesse africaine, hein, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Okay? Il faut les apports réunis de tout un chacun. Et RTL, avec sa force communicationnelle, avec son positionnement aujourd'hui sur le marché de la téléphonie mobile, il était de bon aloi d'avoir leur accompagnement. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'information est passée, que ce soit à travers la diffusion des SMS ou bien à travers tout le relais qui se fait sur le digital. Donc nous remercions fortement RTL de nous accompagner sur ce projet qui restera mémorable dans les annales de la culture congolaise.